Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 3 où enfin il pleut, c'est ce que j'attendais depuis tout à l'heure. Du coup, j'ai rajouté un peu de barrel. En attendant, voilà, je vais se déplacer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la dust. Donc, on va prendre 9 stacks. Non, enfin bref, c'est pas grave, on rajoutera après. Hop. Puisque j'ai sieve en fait tous les trucs. On va venir ici. Faire. On va tout transformer. Donc je vais en faire que. Voilà, un demi-stack. Ce sera déjà bien. Hop. Je vais peut-être vous couper. Bon, pas pour longtemps. Qu'en fait là je vais bah faire. Je fais du gravier. Ensuite, je fais du sable, puis de la dust. On va garder un peu de sable d'ailleurs, je pense qu'on va pas tout transformer en dust. Pour bah faire de la clay, parce que la clay vous allez voir qu'elle nous sert à plein de choses en fait. Elle va nous servir à faire du groot. En fait quand on le fait cuire ça fait des cirettes de briques et qui nous permettent de faire en fait on va faire une fonderie pour ceux qui connaissent pas c'est ça vous voyez et il nous en faut pas mal puisque hop vous la faites cuire ça vous donne ça des cirettes de briques vous voyez en fait vous faites une smelterie de Tinker Construct ce qui va avec ça voilà hop on vient ici mince. Hop. Et hop. Voilà. Ah bah ça alors là, c'est le début du Skyblock. Au début, rien n'est automatisé. Vous allez voir, c'est un peu chiant. Faut tout faire un peu à la main. Et encore, là vous voyez, enfin. Vous vous rendez peut-être pas compte si vous n'avez jamais fait, mais vous avez ex-compressum. Normalement, là, vous voyez, là, on a fait 32 x 9. Normalement, vous auriez dû passer les 4 stacks et demi un par un avec un marteau qui casse souvent, du coup, parce que là, ça va 9 fois plus vite. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, pour ceux qui connaissent pas. Et ceux qui connaissent, comme moi, vont être agréablement surpris de ce nouveau mode. Parce que je crois qu'il est quand même assez récent, il a moins de 6 mois, quelque chose comme ça. Enfin bref. Hop. Puis il faudrait vite qu'on arrive à le faire avant que la pluie ne cesse. Hop. Hop. Et hop. Voilà, on va garder ça de sable qu'on va mettre à cuire avec un peu de charbon. Hop. On vient finir. Je sais plus si c'est encore soumis à la gravité. Non, vous voyez, le compressed n'est plus soumis à la gravité. Bon, je sais pas si ça sera utile, mais vous le savez. Voilà, et là, vous voyez, on prend la dust, et hop, on reclique droit, hop. Tout simplement. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est pour ça que j'en ai mis un peu à l'écart. Bon, là, il s'est rempli d'eau, du coup, mais. En fait, si vous venez mettre alors des saplings, des feuilles, de la rotten flesh, enfin, un peu tout, enfin, à part la rotten flesh, en fait, tout ce qui est même de la bouffe et tout, genre du blé, tout ça, vous venez le mettre et en quelques secondes, ça se composte et ça devient un bloc de dirt. Voilà. Pour ceux qui le savaient pas, de toute façon, on s'en servira après, mais je vous le dis maintenant, si jamais, bah, vu que je sors un épisode par jour, vous voulez avancer entre deux épisodes, vous voulez faire des trucs comme ça, vous le savez.
Et bon, le plus intéressant, ça va être d'avoir la smelterie, donc là. Le truc avec les Groot et le. D'ailleurs, j'avais pas vu, ils ont rajouté I'm Groot. Ah, bref. Alors là, hop, on a des blocs de clay. On va les recasser. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la clay. Pour la faire cuire. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse, mais avec les hammers et tout, alors je sais plus si ça marche avec le chicken. Non, ça ne marche pas. Avec un hammer normal, enfin autre que celui-ci en fait, je crois pas que ça marche avec les compressed. Ou si c'est peut-être avec les compressed, si c'est ça. Les compressed, vous voyez, en fait, vous récupérez du wood chipping. Et vous voyez avec vous mettez avec un seau d'eau, vous pouvez faire du papier. Si vous pouvez faire de la compressée de sawdust, que vous pouvez faire cuire, ça fait du charcoal, mais bon, ça on s'en fout. Ouais, c'était juste pour vous montrer. C'était surtout pour le papier en fait. Enfin, pour le moment, vu qu'on peut pas faire de seau, vous en foutez un petit peu, vous allez me dire. Enfin bref. Donc surtout profitez bien qu'il pleuve pour en faire un maximum. Ça prépare un peu de dust avant. N'hésitez pas, on peut en faire autant qu'on veut, donc allons-y. Ah bah. Voilà, putain, saloperie de temps. Donc, ce qu'on voulait faire, premier temps, est-ce qu'on fait la furnace ou le blast? On va faire le blast. Enfin, le coke oven plutôt, je veux dire. Donc, ça, des coke bricks, il vous en faut 27. Donc, c'est chiant, je sais pas pourquoi il les craft par deux, puisque du coup, 27 n'est pas un multiple de 2. Enfin, c'est pas grave, on aura une en trop. Donc, il nous en faut 14 fois. Donc, il nous faut 14 fois 4. 56, il nous faut 56 clés, enfin il nous en faut même 100, 112, puisque après il faut aussi en faire cuire. Et un peu de sable, donc ça c'est pas dur. Donc, il nous faut 112 clés. Pas du tout assez. Bon bah je vais attendre qu'il pleuve. Donc bah à tout de suite. Bon, en attendant qu'il pleuve, parce que voilà, ça fait un moment il pleut pas. Je vais vous montrer comment, parce que vous voyez, on a déjà beaucoup de broken iron là. Hop. On va mettre ça comme ça. Prends tout ce qui est iron. Je vais repasser un petit peu de dust pour avoir un peu de redstone. Et vous venez. Et alors on va faire un truc de hex compressum. Alors si vous voulez voir un truc de tout un mode, vous faites hop, arrobase hex. Donc là par exemple compressum. Et vous voyez, il n'y a que du hex compressum. Et hex compressum, un truc sympa, c'est le horse mesher. Ouais, alors c'est juste un diamant. Alors ouais, en plus c'est le 1561 de les deux crafting tables. Donc on va le faire tout de suite. Hop. Deux crafting tables. Deux sticks. J'ai oublié de prendre le diamant. Voilà. Et voilà, l'or smasher. Alors qu'est-ce qu'il fait l'or smasher en fait? Vous voyez ça là, à chaque fois il faut le mettre par 4 dans l'inventaire. Et bah avec lui, attends, on va couper l'arbre. Dès que vous en voyez un pousser, franchement coupez-le. C'est vraiment le moment où vous allez manquer en fait, limite de bois. Enfin après on ragrandira à la fin, bref. Vous venez ici. Là, si vous faites clic gauche comme pour taper avec un hammer, ça va casser les trucs. Par contre. Peu importe où ça, je l'ai mis là, mais peu importe où ça dans votre inventaire, en fait ça va consommer les broken pour les placer directement, vous voyez. Alors là on va en placer autant qu'on peut. Vous faites clic droit jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, vous voyez, on en a encore, que ça continue. Et une fois qu'il n'y aura plus de broken iron, ça va faire avec les powerheads là, parce qu'il n'y a que ça. Mais nous ça nous intéresse pas, puisque en fait la dust. Une fois qu'elle est compressée, elle est compressée en fait. Et on va tout de suite la passer. Voilà. On continue. Wesh, tant que ça.
Dire j'ai passé plus de 4. Ah voilà, ça y en a plus. Et là, du coup, hop, et bon, on change de clic. On repasse sur un clic gauche et on recasse tout. Tout simplement. Et ça, c'est très 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 pratique. En fait, Excompressum, c'est vraiment le truc en plus qui. Enfin, il y avait Ex Nihilo et Ex Aestris qui faisaient vraiment. En fait, Ex Nihilo, c'était le premier truc qui était sorti, qui rajoutait justement tous ces moyens d'avoir du. De comment? Les sieves, tout ça pour avoir des trucs. Pour récupérer des diamants, des minerais, tout ça. Ensuite, il y a eu Ex Aestris qui l'automatisait un peu. Et il y a eu Ex Compressum qui, en fait, bah, porte bien son nom. Permet de tout compresser. Enfin, on pouvait déjà compresser, mais en fait, on pouvait pas s'en servir. C'était juste pour un gain de place, la compression. Voilà. Enfin, maintenant, là, vous voyez, on a tous les crochets. Hop, on revient pareil. On refait tout. Et donc, la Furnace, en fait, pourquoi on la veut, là, le truc avec le Groot et les cirés de briques? C'est parce que quand vous faites cuire un machin comme ça va pas vous donner juste un d'iron comme dans un four, ça va vous en donner deux, ça va doubler, en fait. Voilà. Donc, c'est très très utile. Surtout en Skyblock où on manque de trucs. Et que, surtout que pour le moment, on peut pas du tout faire de machine. D'ailleurs, là. En fait, ça vous pouvez pas le faire cuire dans un truc qui double. Vous savez, vous pouvez pas le repulvériser pour faire. On peut pas faire les grands classiques. Voilà. Allez. Attends, on va en avoir de l'iron. Là, au début, vous voyez, on va faire ça, mais après, au bout d'un moment, quand on aura une production automatisée, on aura plus rien à foutre. Entre guillemets. On passera direct les gravels ou quoi. Vous voyez, hop, c'est quand même une bonne petite quantité. Donc pour l'instant, on va le stocker là, par exemple. Hop. Parce qu'on va éviter de le cramer. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer donc comment faire de la dirt, que je vous ai expliqué. Donc, on coupe cet arbre. On vient reprendre nos saplings. Alors, du coup, vu qu'il y a un peu d'eau, faut le casser. Et vous venez ici et vous faites ça, et en fait vous mettez 8. Et vous voyez là, en haut, vous voyez avec Wayla, composting. Et ça va se transformer en bloc de dirt. Voilà, quand vous aurez plus de dirt. Bon. En attendant, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en attendant qu'il pleuve en fait. D'habitude, on se plaint tout le temps, trop de pluie et tout. C'est la première fois que j'attends la pluie, quoi. Que je me dis, allez, il faut qu'il pleuve, tout ça. C'est quand même dingue ça, non? D'ailleurs, vous pouvez faire bad pour tout le reste, hein. Il n'y a pas que l'iron qui est intéressant. Alors, essayez de garder votre coal. Parce qu'en fait, le coal, on va. Justement, en fait, le coke oven, là, que je vous parlais. Qu'on va craft, là, qu'on cherche à craft. Le coke oven, là. Ça fera un coke oven, le multi-bloc. En fait, vous mettez du charbon dedans. Et alors, je sais pas si ça a un nom ou quoi. Le charbon va se transformer en coal coke. Ceci. En fait, vous voyez, le coal coke en fait brûle deux fois plus longtemps que du charbon. Coke oven burn 1600 times et lui 3200. C'est très intéressant, surtout pour faire des blocs of coal coke. Parce qu'on vous pouvez passer directement les blocs en fait. Et bon, c'est très 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 utile pour faire, hein, parce qu'en fait les premières sources d'énergie qu'on va faire, ça va être à base de charbon en fait dans. Oh non, un grand arbre. Ça va être à base de charbon et du coup le fait qu'on puisse tout simplement le laisser en processer, ça nous coûte rien en fait. Vous le mettez dans le coke oven, ça prend un certain temps, par contre c'est assez long, surtout le coke oven de base. Après quand on aura le plus gros, ça va plus vite. Et vous le laissez, il se transforme en coal coke, et ce coal coke en fait doublé. En fait, c'est comme si vous mettiez un charbon et que vous en récupériez deux en fait. Compacté en un, enfin. Je sais plus exactement en fait pourquoi on fait ça, d'où ça vient, parce que c'est un truc qui existe sûrement dans la vraie vie. J'avoue que j'y connais trop rien, mais enfin.
Il y en a un, c'est du charbon. Je sais pas en fait. Aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est bien. Et voilà notre bloc de dirt. Et cette dirt, si on la sieve. Attendez. Ta-ta-ta. Voilà. On peut récupérer donc rubber tree, seeds, pumpkin, acorn, ça c'est un gland, donc c'est pour faire une pousse de chêne, donc ça on s'en fout. Carotte seed, sugar cane seed, potato, spruce, donc le sapin, la grasse, pour comme ça on va mettre un aquarium de dirt, vous mettez la grasse seed et hop, comme ça vous avez de l'herbe. Les melons, de l'acacia, alors de la stone, ça en fait on s'en fout un peu, mais vous le mettez en 4, ça vous donne une cobble, voilà, et du birch. Voilà. Je sais pas si le. Normalement, le compressed marche. Je crois qu'on peut le compresser, non? Attendez. Pourquoi je trouve pas? Peut-être là. Là. Voilà. Compressed. Et normalement, oui, voilà. C'est le même principe. Vous pouvez aussi le compresser. D'ailleurs, on va refaire. Hop. Bon, eh ben je refais une pause, je m'occupe de cet arbre et j'essaie de d'attendre la pluie. A tout de suite. Alors voilà, donc ça y est, pleut enfin. Je me suis toujours pas occupé de l'arbre. Ça me saoule les arbres. Genre, je crois que je vais faire un toit, vous savez. Si en fait vous mettez une pousse et je crois faut 7 à 7 de haut, vous mettez des planches ou quoi que ce soit. La lumière, une connerie. Ils peuvent pas pousser en grand arbre en fait. Ils détectent qu'il peut pas. Je crois que je vais faire ça, je vous jure, ça rend fou d'aller faire ce truc-là. Si seulement être capitateur. Enfin bref, j'ai fait des fours. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'on voit le burn time. Là, ça. Enfin bref. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait cuire les 56 briques. Donc là, il manque plus qu'un peu de clay. Donc bah là, hop, c'est bon, c'est rempli. Hop. D'ailleurs, voilà. Hop. Ah oui, non, c'est normal. Hop. En fait, je crois que ça change rien qu'on le fasse à la main ou avec un outil. Ah si, il faut une pelle, je crois. Voilà, je suis con. Hop. Qu'est-ce qui nous emmerde cet arbre? Et limite t'as envie de lui foutre le feu. Enfin bref. Il empêche de pleuvoir dedans en plus. Non c'est bon, ça se remplit. Ah bah c'est bon, on en a assez de toute façon. Voilà. Enfin on en refera quand même parce qu'il... D'ailleurs on va le faire maintenant. Et ici, vous prenez alors 7 bonnes mille. 7 clay et vous faites de la porcelaine clay et vous faites comme ça, vous avez un unfired crucible, vous le mettez hop ici, ah oui je sais j'ai gâché un petit peu de champ, enfin c'est pas grave, vous le prenez et vous le mettez au-dessus, alors on va le mettre au-dessus de la lave en fait. Comment ça, melting speed que 1? Là, ici. Normalement, au-dessus d'une source de lave, c'est 2. Enfin, bref. Vous prenez de la cobble. Et vous faites. Comme pour là-dedans, vous mettez de la terre ou quoi. Vous faites clic droit. Et vous voyez, là, ici, en haut, vous voyez, solide machin. Vous voyez, ça se remplit de cobble. Et ça va se transformer en fluide, en lave, en fait. C'est comme ça qu'après, une fois qu'on aura le son, on récupérera de la lave. Pour le moment ça nous sert à rien puisqu'on a toujours pas le seau, puisqu'il nous faut le coke oven qui produit de la chrysoïte. Et avec cette chrysoïte, on pourra faire du bois traité. D'ailleurs on va tout de suite faire des glass bottles. On va en refaire, hop, profiter qu'il pleuve. Hein. Surtout que j'ai plein de dust. Voilà. Donc... Il faut que j'en recasse un peu.
D'ailleurs, hop, c'est presque cassé. On prend un flint. Ferrier. Et voilà. C'est tout aussi simple. Donc, on vient ici. Il nous faut du sable. J'en ai fait d'avance. Il nous en faut de toute façon pas tant que ça. On va faire 10. On vient ici. Hop. Ah non, il en manque en fait. Hop. Faut encore 4. Voilà. Et hop. On a bien nos 28. On va le faire là. Faire une petite plateforme. Je ragrandirai ça après entre deux épisodes, hein. On s'en fout pour le moment. Voilà. Alors vous venez prendre vos coque-briques. Hop. Tout simplement, en fait vous faites un cube de 3 x 3 x 3. Rien de compliqué. Faut remplir le milieu, je crois, hein, si je me trompe pas. Attendez. Non, faut laisser le milieu vide. C'est peut-être ça. Non? Merde, comment on fait? Parce que s'il faut le marteau, je peux pas avoir le marteau tout de suite. Attendez. Qu'est-ce que j'ai? Non, non, je suis presque sûr qu'il faut mettre le bloc intérieur. Je sais pas, peut-être clic droit avec la main. Ah mince. Qu'est-ce que j'ai oublié? Attendez, je reviens. Alors voilà, alors oui, j'ai complètement oublié parce que en fait, tous les trucs de Mercy Engineering, il faut mettre un coup de Engineer Hammer, un clic droit avec. Ouais, c'est pas compliqué. Ouais, il manque juste le string, c'est pour ça que je viens de remettre des silkworms. Pour finaliser la machine, enfin, ça finalise le multibloc. Mais en fait, je me disais, mais c'est pas possible puisque pour faire le hammer, il nous faut du bois traité, mais sauf que c'est pas le même marteau, lui il faut des sticks normaux. Voilà, donc c'est normal. Allez, infeste-toi, j'en ai mis un peu partout, du coup bah notre grand arbre servira à quelque chose, au moins il fera beaucoup de fil. Là je vais garder l'eau pour le moment. Et puis on verra plus tard. Hop. Un peu de dirt, mais on fera beaucoup. Pour avoir la Robert Tricide. Bon. Allez, dépêche-toi. Est-ce que j'ai encore des crooks? Oui. Allez, il me faut juste un fil, quoi. Sois sympa. Mais tu te réponds pas. Bon, c'est pas grave, l'autre fera le boulot. Allez, dis-moi que tu dois. Oui. C'est bon. Hop. Mince. Et voilà. Et là vous venez, clic droit. Et voilà, ça y est, il est fini. Et maintenant, vous venez, vous prenez un stack de colle. Enfin, un stack, autant ce que vous voulez. Et voilà, et ça va cuire en fait. Et là en fait, vous pouvez rien mettre à cuire, c'est pas un four en fait. C'est là vous mettez votre colle, et ici sort le colle coke là que je vous parlais tout à l'heure. Et ici il va y avoir de la crésoïte. Donc vous mettez hop, quelques bottles. Je fais une petite coupure, je laisse, histoire qu'on se laisse sur le traité de wood, et puis on finira l'épisode là-dessus. A tout de suite. Alors voilà, alors vous voyez, donc là, hop, vous voyez, là, déjà eu un, bientôt deux. Et à chaque charbon, enfin à chaque coal devenu un coal coke, ça produit 500. Donc là, hop, vous voyez, il y en a eu deux, comme ça, hop, il en faut donc 1000 millibuckets pour faire une bottle de crésoïte. Hop, c'est bon, on vient ici, on met ça comme ça.
Ptolemaïeux, et voilà du traité de Wood. Et donc, hop, ici comme ça, des sticks. Et par contre, il faut que je fasse cuire de l'iron. Hop. Optimiser pour le charbon. Et donc là, il nous en faut 5 en fait. Pour faire donc le fameux hammer. Je suis pas sur la bonne page. Ici. Voilà, celui-ci. Qui nous permettra de faire des seaux. J'ai préparé l'emplacement pour mettre une deuxième source d'eau, histoire qu'on ait une source d'eau infinie ici. Allez, dépêche-toi. Ah bah d'ailleurs, en fait, je vais faire cuire plus d'iron que ça, puisque... Puisque comment? Puisqu'après, il en faut pour faire le seau. Donc, à tout de suite. Alors voilà, on a assez de... d'iron. On fait notre marteau. Faut savoir que ce marteau, vous voyez, on peut l'utiliser que 80 fois. Hop. Voilà, on fait nos 3 plates. Et on a enfin notre seau. Tout simplement. D'ailleurs, ah, petit trophée. Génial. On va le poser là. C'est les FTB Trophy. C'est un truc nouveau ça. Et vous voyez, par exemple, on peut prendre ici. On va le poser là. Voilà, on a notre source d'eau infinie. Et si vous voulez, maintenant, avec votre seau, en fait, vous pouvez hop, la remettre dedans, vous voyez. Donc ce sera peut-être intéressant de mettre une source d'infini là, comme ça on pose, hop, on peut mettre de... du comment de la dust et ainsi de suite. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, puis à dans un prochain épisode.